à tous, c'est Eric Lego de chez Galago Music. Aujourd'hui un tuto guitare et harmonica. Donc comme il va s'agir du tout premier cours que je vais faire avec cet instrument, j'ai préféré mettre la vidéo à part. Vous pourrez cliquer ici si vous voulez suivre spécifiquement justement la vidéo où j'explique comment jouer ce morceau. Et pour une fois, ce n'est pas moi qui vais vous filer les informations relatives à l'album, car je reçois un collègue, à savoir Fred de la chaîne YouTube Guitare Facile, qui va nous donner quelques infos autour de l'album. C'est à toi, Fred. Salut Eric. Salut tout le monde. Hearts of Gold est une chanson de Neil Young enregistrée en 1972 sur l'album Harvest. C'est son quatrième album solo. À l'époque de l'enregistrement, Neil Young avait contracté des petits soucis de santé. Il pouvait pas rester debout très très longtemps. Alors il s'est concentré sur la guitare acoustique sur la plupart des morceaux. Et alors il nous a pondu ce chef-d'œuvre qui a été classé à la 78e place des 500 plus grands albums de tous les temps d'après le magazine Rolling Stone. Franchement, c'est pas dégueu. Bah voilà, c'était super, merci beaucoup. Allez, on attaque. Alors il y a trois parties dans ce morceau. Intro, couplet, refrain, voyons l'intro. Au départ, on va se placer sur un Mi mineur 7. Mi mineur 7, c'est 2 et 2 des cases de La et Ré et petit doigt en troisième case de la corde de Si. C'est un accord qui doit sonner comme ça. Donc ça va donner ça. Qu'est-ce que j'ai fait lentement? Donc pour démarrer, on va taper deux fois dans les basses sur cet accord, à savoir les cordes de Mi là, et éventuellement la corde de Ré si jamais vous poussiez votre main un petit peu trop loin, de manière à avoir basse, basse, ok. Ensuite on va trouver six fois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, cet accord là gratté en mode piqué. Piqué, ça veut dire que dès que vous avez gratté l'accord à la main droite, hop, vous perdez le poids des doigts, mais vous ne perdez pas le contact avec les cordes, d'accord? Le but du jeu, c'est que les sons des notes qui sont enfoncées là-bas s'arrêtent. Donc ça va donner basse, basse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, d'accord? Une fois que vous avez fait ça, on va faire un accord de Ré majeur, tac, 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 deuxième case du petit Mi, troisième du Si, deuxième de la corde de Sol, on bloque le gros Mi avec le pouce. Là, on va taper l'accord de Ré. Ok, donc l'accord de Ré va durer deux temps. 1, 2, le troisième temps, on le regratte, et le quatrième temps, on retrouvera l'accord de Mi qui vient un petit peu comme ça anticiper sur la mesure d'après. Donc, je vous refais tout depuis le début. Basse, basse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 1. Ok, dès que vous avez fait ça, on va faire le petit riff. Trop stylé. J'ai fait quoi? J'ai fait la corde de La vide. Hammer-on en deuxième case. Hammer-on, donc on ne regratte pas avec le médiator. Petit coup de marteau, avec ce doigt-là par exemple. Après la corde de Ré à vide, et cette corde de Ré, on terminera notre riff par la deuxième case. Que les mesures 3 et 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2 et 3, 4, et on démarrera au début. D'accord? Pour le couplet, il n'y a que 4 accords, ça c'est cool. Mi mineur, après Do majeur, suivez les petits schémas qui sont ici. Le Ré majeur, puis après le Sol majeur, qu'on peut faire soit comme ça, quand on est en Ré c'est pratique parce qu'on a l'annulaire qui est en commun, donc 3-3 des cordes de Si et Mi et 3-2 des cordes de Gros Mi et là, ou bien le Sol à l'ancienne, je veux dire, comme ça, qui sonne très très bien aussi, que j'imagine Neil Young devait jouer de cette façon. Dans le couplet, la rythmique de main droite va faire ça. 1, 2, 3, 4 et fin de la rythmique. 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et, d'accord? Donc cette rythmique-là, on va la placer sur chacun des accords que je viens de vous montrer, et ça va donner ça. Ok, donc la seule subtilité, c'est quand on fait le retour, à la fin de la mesure, là, on va ôter tous les doigts de la main gauche, sauf s'il y a des notes en commun avec l'accord qui arrive. C'est-à-dire, entre Mi mineur et Do, il n'y a aucun doigt en commun à la main gauche, tout bouge. Donc du coup, 1, 2, 3... 4, hop, ok. Après en Do et le Ré qui suit, on n'a pas de note en commun non plus, donc on enlèvera tout. 1, 2, 3, 4, hop, d'accord. Et le Ré à Sol, si vous faites le Sol comme ça, il n'y a pas de note en commun avec le Ré, mais si vous le faites comme ça, il y en a un. Du coup, si on prend l'option avec le doigt en commun, le mouvement va être celui-ci. 1, 2, 3, 4, et clac, et on atterrira sur le Sol. Tout le couplet. Ok, et ça on l'aura
trois fois avant l'arrivée du refrain. De toute façon, je vous ferai une brève structure sur le finish de la vidéo. Alors, intro et couplet d'affilée. Voilà, c'était pour les deux premières parties. Le dernier bout du morceau, le refrain, va donner ça. On va trouver que trois accords. Mi mineur, sol, celui que vous voulez, hein, celui-là ou celui-là. Après un do, et on retombera sur sol. Et avec la rythmique qui va changer un peu, qui ne sera pas la même que le couplet, mais qui va ressembler un petit peu à celle qu'on avait dans l'intro. Va donner ça. Pour les deux premières mesures du refrain, eh ben je m'embête pas, sur le mi mineur je fais exactement comme dans l'intro et en plus j'enlève le coup des notes qui sont piquées. Donc, passe, passe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, d'accord. Ensuite sur le sol, c'est là que ça va changer un peu à la main droite, on pourrait faire un truc comme ça. Pa, 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 oh, pa, 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 hop. Moins vite. 1, 2, 3, 4 coups vers le bas, le cinquième coup je passe devant sans gratter et je fais oh, bas. Bas, bas, hop. Je dis hop parce que c'est l'endroit où on enlèvera les doigts pour se diriger vers l'accord de do. Donc c'est deux mesures de sol. 1, 2, 3, 4. Oh, bas, 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 hop. Ok, donc les quatre premières mesures du refrain. Passe, passe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Oh, bas, 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 hop. Ensuite, sur le do, ça va ressembler à la mesure d'avant, mais il y a un petit truc en plus. Il va falloir que ça sonne comme ça. Ce que j'ai fait, c'est j'ai rajouté une petite percussion avec toujours cette histoire de paume ici qui va venir bloquer les cordes au moment même où le médiator va gratter les cordes. Donc au lieu d'avoir 4 coups directement comme dans la mesure d'avant en sol, on va faire 1, 2, schlack, d'accord. 1, 2, schlack, bas, d'accord, encore. Bas, bas, schlack, bas, haut, bas, 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 haut. Là par contre, la fin est pareille que ce qu'on avait sur la mesure de sol. Ba, ba, schlack, ba, o, ba, 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 o. Et après, moi, je fais un truc qui fait ça. Alors, ouais, d'accord. Je vous fais les quatre dernières mesures. Ba, ba, schlack, ba. Comment j'ai fait ma descente? Je me rapproche un tout petit peu. J'ai fait la note Do, troisième case de la corde de La, après la note Si, deuxième case de la corde de La, après la corde de La à vide, et j'ai atterri sur la note Sol, troisième case du gros Mi, et après j'enquille sur la corde Sol. Ba, ba, ok. Do, Si, La, Sol, Ba, Ba. Voilà, je vous fais tout le refrain une fois. 3, 4. Keep me searching. Soit l'intro, soit un deuxième couplet. Donc pour connaître la structure, et ben c'est maintenant. L'intro, j'ai noté partie A, le couplet partie B et le refrain partie C. C'est maintenant, c'est tout de suite. Voilà, pour terminer, je vous enquille donc les parties A, B, C, histoire que vous ayez le truc dans l'oreille bien comme il faut. Donc je vous fais juste intro deux fois, un couplet, un refrain, baste. 34. Voilà, j'ai...
j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager ou à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Je remercie à nouveau Fred de la chaîne YouTube Guitare Facile qui nous a fait la préface de cette vidéo. Tout plein de bonnes choses à vous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.